Eh bien salut YouTube, c'est Raider, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui vidéo très spéciale qui n'a rien à voir avec le concept que je fais d'habitude. Car aujourd'hui j'avais un peu envie de vous faire part de ma vie en immersion. Donc qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ben, l'équipe c'est très simple, on va aller sur un sujet très simple et très efficace. Aujourd'hui j'ai refait tout mon setup. L'équipe, vous avez sûrement vu une photo que j'ai mise sur Instagram, je vous la mets juste en bas là. Où j'ai dit que j'allais peut-être arrêter YouTube. Évidemment, ça m'a trotté dans la tête. Et puis vous avez été énormément à me dire qu'il fallait pas que j'arrête. Donc qu'est-ce que je me suis dit? J'ai remonté tout mon setup, j'ai décidé de repeindre mon mur. Beaucoup peuvent penser que c'est fait exprès, que ci, que là, alors que pas du tout en réalité. C'est juste que tous vos messages m'ont fait revenir sur ma décision. Donc l'équipe, je voulais pas filmer, mais j'ai repeint tout mon mur en orange. Et j'ai refait tout mon setup. Je vais vous mettre une partie du setup juste après l'intro de à quoi il ressemble maintenant. Et je vous emmène tout de suite maintenant avec moi pour aller chercher le dernier élément à faire. Bref, c'est parti, let's go, vous allez vite comprendre. Bon visionnage, ciao. Bah alors l'équipe, on se retrouve directement sur le cut qu'il faut, j'ai envie de dire. Donc là où on est là, là on est à Cultura avec un frérot que j'ai récupéré. Et puis on est allé chercher des petites bombes. Mais bon, je vais pas trop vous spoiler, vous dire tout de suite ce qu'on va faire. Je vous laisse, on retourne directement à la maison, sur le setup, pour poursuivre notre projet qui va être spectaculaire. C'est parti, let's go, je vous amène avec moi. La team, là on est rentré à la maison, le frérot il est en train de faire son petit calque sur papier. Et après, ben, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'écrire. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous vous doutez un peu de ce qu'il va y avoir écrit. Et puis, ça va se passer directement sur le mur qui est juste là-bas. Donc, la team, je sais pas du tout comment ça va rendre. J'espère qu'il va bien le faire, le frérot. Ça, tu te sens serein, là? Inch'Allah. Donc, vas-y, on se retrouve directement pendant qu'il est en train de faire le petit dessin bien sympa sur le mur. Fais pas n'importe quoi. Bah t'inquiète, on va gérer. J'ai pas confiance. Ouais, t'es un bon mon frère, t'inquiète. Donc là on est en train de passer à l'étape dessin. La team, je sens que ça va être bourbier ça. On va voir un peu ce que ça donne, hein. Allez, c'est parti, on commence l'équipe. Code le R. Ah le team, je sens que ça va être bourbier. Ça va bien là ou pas? Ça va, franchement ça va, ça va. Donc là la team, on est en cours d'acheminement. Kobe. Oh, je suis en stress, je vous mens pas. La team, on vient de finir le tag. En fait, on a un problème, vous voyez. Nous, on a un problème quand je commence à lancer un truc. À chaque fois, je me dis, et ça, je crois que ça ferait bien. Et ça, je crois que ça ferait bien. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. À la fin, ça fait TB. Bon, le tag, en vrai, comment tu le fais, toi? Là, il est devant nous, l'équipe. On va vous le montrer. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, je tiens à préciser que c'est un collègue qui est très bon en dessin, mais niveau tag... Non. C'est oui, une... Non, en vrai, honnêtement, franchement, ça va. Moi, je suis satisfait. Bon, il y a mieux, c'est pas un graphiste, hein, mais franchement, moi, je suis fier de lui. Il a bien blasé Raider. Mais après, moi, je sais pas pourquoi je partais dans un délire. J'ai voulu faire des ombres dessous, des trucs qui coulent partout. Enfin, bref, je pense que je vais pas vous parler 200 ans. Je vais passer directement au visionnage du talc. Du talc, oh putain, je parle même plus français. Ah, faut prendre les contrastés, frérot. Je sais pas, je vais vous montrer directement le tag. Le talc, c'est pas ce qu'on met sur le des gosses, ça. Non. Mais oui, le talc. Le talc. Ah, le talc, oui. Ouais. Enfin bref, l'équipe, vas-y, c'est parti. Le tag. Donc 3, 2, 1. Let's go.
Et voilà la team, vous avez vu du coup un peu maintenant à quoi ressemble le setup en entier. Donc voilà la team, donc je tiens à vous dire que ben on va continuer les vidéos en masse, tout ça, on va s'arracher, s'acharner, et puis on va tout casser sur YouTube, enfin je l'espère. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu comme le tag juste derrière, ça fait super plaisir, et vous abonner si c'est pas déjà fait, histoire que ça m'encourage un maximum pour pouvoir poursuivre dans mes délires sur YouTube et vous accompagner jusqu'à ce que on fasse couler les. Je m'emballe, mais tranquille. Enfin bref, sinon je tiens aussi à vous dire que si je refais plutôt mon setup, c'est qu'il y a aussi une petite raison derrière. Vous voyez là, cette petite webcam, elle n'y était pas avant dans mon setup. Mais pourquoi elle est apparue? Tout simplement parce que maintenant, j'ai décidé qu'on allait faire des petits lives sur YouTube. Donc pour la plupart, vous avez sûrement déjà reçu sur Insta, je vous ai fait passer le message comme quoi maintenant je faisais des lives sur YouTube, etc. Et puis je tiens aussi à préciser, pour les personnes qui n'ont pas vu toutes mes stories et tout, qui n'ont pas vu tout ça, que maintenant je fais des lives sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live, il n'y a pas de créneau concret, mais bon, si vous mettez votre petite notification, vous aurez peut-être la chance de m'accompagner sur un live, et dans le live, on fait que rigoler, je suis en duo avec mon collègue, des fois je fais des petits lives avec les abonnés, je vous prends avec moi dans la partie, on fait des trucs sympas, donc n'hésitez pas à venir en masse. D'ailleurs, je vous mets quelques petits extraits de moi en live qui pètent un plomb, qui râlent, histoire que vous voyez que c'est le feu. Ah c'est trop. Ah vas-y, il mérite pas, je te jure il mérite pas. Tu peux, je suis caché hein. Il réanime sans flag. Ah mais gros, mais c'est trop frère. Déjà il y en a deux, il y en a trois, à cinq. Ah. Vas-y, ça rend fou ça. Après il y a un mec là. Ah j'ai dans la bulle. Vas-y. Oh là là, ça fait... Non mais gros, mais je le serrais, mais ça y est, c'est quoi ça? Mais vas-y là, je vais péter un plomb. Vite ma mère, c'est quoi ça presque? Ah, je vais serrer frère, mais ça y est, gros, il a une pompe, il tire 40 balles à la seconde. Son pompe, c'est une mitraillette frère. Vas-y, je pète un pont, un truc comme ça là. Prochaine game me top 1, je vous le dis. Ça fait 600 games comme ça. Non mais ouais, c'est parce qu'en fait là... En tout cas, moi j'espère que le setup il vous aura plu. Alors, c'est pas un setup de blindé, comme je le rappelle, parce que je vous mens pas que j'ai pas encore trouvé de maison de production, mais pour plus tard, pourquoi pas. Mais après, moi j'ai envie de vous dire, mes vidéos elles s'effectuent plus dans la rue que dans la chambre. Enfin, bref, du coup, les amis, je vous invite encore à mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Raider. Ciao!